Moi, c'est Touré John Tamba. Je suis guinéen d'origine. Donc, on a expérimenté le slam. Il s'agissait de former les jeunes slammers sur les conséquences et les causes sur les mutilations génitales. À travers le slam, la musique, ils donnent leur voix, ils parlent des causes, des conséquences dans la musique. Et nous avons publié sur nos pages Facebook, sur nos comptes Twitter. Et ça a eu vraiment, vraiment, ça a fait une bonne couverture et ça a été beaucoup apprécié. Il s'agit juste de former les jeunes slammers sur les conséquences, les causes des MGF. À travers leur musique, ils vont donner leur voix afin d'amener la population à abandonner cette pratique. Donc c'est très, très intéressant. C'est cette manière de faire.